Yo tout le monde, c'est Mathéo encore. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tour de magie. Alors, aujourd'hui, j'ai 4 cartes. Deux rouges et deux noires. Alors là, je vais demander à un spectateur, mais puisque j'en ai pas, je vais poser la question à moi-même. Si je préfère les noirs ou les rouges. Bon, puisque moi je préfère les noirs, eh ben je les mets là et après je prends le paquet. Ok? Après, je vais vous faire le tour de magie là. Attention, vous voyez bien une noire ici. Hop, je la pose sur le tas que après je la mets là. Après, vous voyez encore une noire, c'est la deuxième, que je mets ici avec l'autre. Là, c'est les deux cartes rouges. Et grâce à ma magie suprême, je vais, comment dire, les changer, quoi. Celle-là en noir et celle-là en rouge. Abracadabra! Tac! Les deux rouges sont là. Et les deux noirs sont là. Quelle magie! Bon, allez, je vais vous l'expliquer. Alors, pour ce tour, vous avez besoin de 4 cartes, comme je vous l'ai montré. De rouge et de noir. Peu importe si c'est un valet ou autre. On s'en fout. Enfin, on s'en fiche, pardon. Alors, vous prenez les deux cartes et vous demandez à un spectateur ce qu'il préfère, les rouges ou les noirs. Peu importe. Moi, je préfère les noirs, alors je les mets au-dessus des rouges. Après, je prends le paquet. Et les deux noires, quoi, elles se retrouvent en dessous. Ok? Alors, après, je prends les deux cartes du milieu. Et après, je vous montre que c'est une noire, sauf que juste derrière, c'est une rouge, là. Et je fais un petit pli, là, comme ça. Pour pas que il y ait un peu d'air, quoi. Alors voilà, après je dis que je la repose sur le paquet. Ok, je repose les deux cartes. Et je dis que je pose la noire ici, sauf que c'est la rouge que je pose. Je la mets là, et après vous refaites la même chose avec les deux dernières cartes. Ce qui veut dire qu'il vous reste plus que la carte noire dans votre main. Gauche ou droite si vous êtes gaucher. Après, vous me montrez, hein. Mais en fait, il y a toujours la carte rouge qui est derrière, quoi, qui est ici. Sauf qu'il la voit pas. Et après, vous dites que là, je la repose sur le paquet et que je la mets avec l'autre. Après, vous dites que vous mettez les cartes rouges ici. Sauf qu'après, vous faites votre, je sais pas, quelque chose genre tac, ou attention, attention, je vais faire la magie, je vais les transformer. Bref, vous faites quelque chose, quoi, ce que vous voulez. Et après, vous dites qu'elles ont changé. Et après, ils sont un peu tous bluffés, mais c'est tout bête. Mais c'est bluffant. Alors, si vous avez aimé ce petit tour de magie, mettez un petit pouce bleu hein, en l'air et oui, abonnez-vous. Ok, salut, au revoir. Aux prochaines vidéos.